Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour sur Stardew Valley. Ça fait quelques jours que je n'ai pas repris cette partie. Donc du coup, on va se refaire un petit peu nos objectifs pour la suite. Alors déjà au niveau du calendrier. Alors on a l'anniversaire de Georges demain. Est-ce que Georges, on était à fond avec lui? Sinon, il faudra lui faire un petit cadeau. Eh ben écoutez, ça sera l'occasion d'avoir les 10 cœurs avec Georges. Très très bien. Pierre, on est très très proche, mais on n'y est pas encore. Après, du coup, tout au-dessus, on est bon. Et du coup, tout en bas, bon, il nous en manque quand même quelques-uns. Ouais, Sam, ça va être très très compliqué, étant donné qu'on a passé son anniversaire et qu'on l'a raté. Je m'en souviens. Après, il suffit, entre guillemets, de lui faire un cadeau toutes les semaines. Et on sera bien. Du coup, alors en termes de quête, votre défi est d'atteindre le niveau 100 de la caverne du crâne sans manger ni boire pendant votre défi. Ok, donc ça on avait dit qu'on s'en occuperait peut-être le... peut-être pas le dimanche du coup, peut-être le samedi. Après, est-ce que j'ai assez de... Est-ce que j'ai assez de jade? Est-ce que j'ai assez d'escalier? Je sais pas, on verra. Et ah oui, on avait ça à expédier sans gingembre. Alors j'ai vu que j'en avais sur moi, j'en ai 96. Donc il m'en faudrait 4 de plus. Ok. Est-ce qu'on n'a pas du gingembre quelque part qu'on avait laissé? J'ai pas l'impression qu'on avait laissé du gingembre à l'intérieur. Je ne crois pas. Du coup, en termes de recettes, on était comment? Parce que je crois qu'on avait, on avait récupéré des objets la dernière fois. Ah, attendez, on va refaire le tour. On va regarder ce qu'on n'a pas cuisiné. On va voir si on peut en refaire ici. Ah bah déjà, le tacos de poisson, on peut faire. Donc, toutes les deux premières lignes, on est bon, c'est fait. Ah, ça, on n'avait pas fait. Bim. Soupe à la truite, on s'en tape. Eh ben écoutez, je crois que la première page, on... Ah non. Ah, le sashimi. Bah, je crois que le sashimi, je peux le faire maintenant. Je sais pas quel poisson ça va utiliser, mais normalement, on devrait être pas trop mal. Ok, donc la première page, on est bon. Ensuite, la deuxième. Là, il nous manque celle-ci. Total cuisiné. Ok, donc là on est bon. Pour le moment, tout ce qu'on a, on peut les faire. Salade de choux. Et ben voilà, parfait. Crabe et huile. Alors de l'huile, je crois qu'il va falloir qu'on aille en racheter. Ouais, je pense. Là, il nous faut du réfort. Donc crabe. Crabe, huile et réfort. Crabe, réfort, ok. Et ben on va mettre le crabe et le réfort ici. Donc il nous manque juste de l'huile en vrai. À la limite, on ira peut-être faire vite faire un petit tour chez Pierre. Ok. Ah bah non, bah je peux faire. Bah voilà. Oui, c'était le cocktail, c'était le beignet de crabe que je pouvais pas faire. Ça, du coup, il nous faut de la banane. Et ça, on est bon. Bah écoutez, on est vraiment pas mal en recette là. C'était quoi? C'était du lait, je crois qu'il fallait pour le truc à la banane là. Ouais, lait quelconque. On va le mettre à l'intérieur. Du coup, on replace nos différentes recettes. Merde. Bon, à la limite, je vais dégager le pain. Puis le pain, on va le mettre dans. On va le mettre dans un frigo. Voilà. Ok, et bah écoutez, très bien. Je pense qu'en termes de recettes, là, si on va voir un petit peu. Ah ouais, non, on est très très bien là. Bah, la première page, il nous en manque une. Et la deuxième page, il nous en manque 5. Sachant que le beignet de crabe, y a rien de compliqué. Le pudding à la banane, il faudrait qu'on ait des bananes et il nous en restera 3 à découvrir. Plus la quatrième qu'il y avait sur la première page. Ok, donc niveau cuisine, on est bien. En termes de poisson, il n'y avait plus que le poisson légendaire d'hiver, on est d'accord. En termes d'artefacts, il manquait le bifas.
qu'on pouvait avoir dans les trésors d'artefacts, mais on n'avait pas encore réussi à le choper. Bien le bonjour, Valoche, comment vas-tu? En ce dimanche matin. Et du coup, tout ce qui est minéraux, on est bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Cuisiner toutes les recettes. Bon bah après, de toute façon. On verra, mais je pense que là, on est vraiment, vraiment bien. Léa, on va t'offrir un cadeau. J'ai encore des salades là-dedans. Oui, j'ai encore une salade. Je vais peut-être la garder. On va peut-être lui offrir autre chose à Léa. Qu'est-ce que tu voudrais que je t'offre? Une noix de coco? Une. Oh! Ah ouais, ça te plaît, ça. Elle m'a offert une fougère de ferne. Super. Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Encore un peu fatigué de ma semaine au boulot, mais ça va, en vrai. Bien dormi. Alors attendez, parce que du coup. Ok, j'ai deux trésors. Enfin, oui, j'ai deux trésors d'artefacts. Ah, nos amis les raccoons, je me souviens plus si on avait avancé. Là, du coup, j'avais ramené des escaliers. Je vais peut-être aller m'occuper des animaux. Parce que là, du coup, je sais pas exactement ce vers quoi je vais me diriger. Par contre, je vois que demain il pleut sur les îles Gingembre. Et ça, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on y aille. Je rappelle qu'on a une quête à réaliser. Il y a plein de choses ici. Ah, mais je crois qu'on n'était pas resté plusieurs jours sur les îles Gingembre la dernière fois. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi j'ai pas mal de trucs dans les récolteurs automatiques. Mais là, vous êtes trop nombreux, j'ai du mal à suivre. Ah là, on a un œuf de dinosaure. Pas deux. Très bien. Ah, les chèvres, bonjour. On ira voir les autruches. Comment ça se passe de leur côté? Ah ouais, non, j'ai plein. Oh putain, comment je vais faire? Ok, ça va être très chiant. Je vais en laisser un. Tant pis. Dis bonjour. Bon, les truffes, hein, c'est comme d'hab. Bon, les vaches, ça devrait être à peu près la même histoire. Par contre, là, ouais, vous êtes franchement, vous êtes chiants, les chefs, parce que vous me faites du lait de toutes les qualités, de toutes les tailles. C'est un peu insupportable. Mettez-vous d'accord et faites toutes et tous le même lait. Enfin, du coup, toutes le même lait. Putain, je ressors, ils ont déjà retrouvé des trucs juste devant l'entrée. Du coup, ouais, bah les trucs, j'en ai pas mal. Encore une fois, je rappelle, on va arriver en hiver, donc du coup, ils ne pourront plus nous en trouver. Donc, ils ne pourront plus sortir. Ok. Faut pas que je. Oh putain, merde. Faut pas que j'oublie d'aller récupérer de l'huile aussi chez Pierre. Un nouveau poussin est né, il a l'air bizarre. On avait refait encore des. Ah oui. J'ai encore de la place pour en faire là? Quoi, j'en ai. Ah putain, mais j'avais récupéré des poulets bleus aussi. Putain, je m'en souviens plus. Je m'en souvenais plus de ça. Alors attendez, combien on en a? Parce qu'on a 12 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10, donc on a encore 2 places ici. Ça fait encore beaucoup de trucs à mettre dans les machines. Bonjour, 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 bonjour. Ici, c'était les moutons. Et j'ai plus énormément de place. Putain, mais d'accord, ok, j'ai
je peux plus placer à l'intérieur. C'est super, du coup je vais m'emmerder avec ça dans les mains. C'est génial. Alors vous, je vais vous dire bonjour. Putain, il y a des truffes encore jusqu'ici. Comment ça? Ah putain, mais oui, du coup c'est pas amélioré à fond. Bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Putain, mais je vais aller replacer quand même mes truffes là-dedans. Ok. Donc, il nous reste les œufs à placer. Et on ira voir les autruches. Alors, est-ce que j'ai un endroit où j'ai encore de la place? Oui. À 17 là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je sais pas si j'arriverai à tout placer. Ça m'étonnerait. Ah bah si, regardez. Parfait. Eh bah tout pile. Comme quoi parfois, le hasard fait bien les choses. Allez, on redit bonjour à tout le monde. Si vous voulez bien me laisser sortir, merci. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Ok. Oh, faut pas qu'il... faut pas qu'il pleuve. Mais pourquoi ça se remplit pas? Ah putain, mais elle est pas améliorée à fond celle-là. Ah bah du coup on va peut-être aller voir Robin alors. Bon. Tac tac. Ça. On n'a pas d'anniversaire. J'ai plein de choses à vendre. En termes de pierre, j'aurais pas de quoi faire l'amélioration. Ah, quoique. Je sais plus si c'est pas 250. Au pire, on va aller voir. Ah bah non, on est mardi. Du coup, elle sera pas chez elle. Attends, on va vendre tout ça. Fromage, fromage. Bim. Ok, bon, on fera ça un autre jour. On redépose, on redépose. Gingembre, du coup, il m'en refaut, donc faudra qu'on aille sur les îles gingembre. On a dit, il faut que j'aille chez Pierre acheter de l'huile. Et après, et après, et après, et après, je pense qu'on est pas mal. Je vais aller voir dans ma serre si on n'a pas récupéré des bananes. Que du coup on a la quête là aussi à faire sur les îles gingembre. Donc banane, non, pas encore. Là tout ce qui est tomate et tout ça, normalement j'en ai plus besoin. C'est quoi l'arbre qu'il y a tout en haut? Cerise et abricot. Ok. Pourquoi j'ai pas fait ça d'ailleurs début de journée? J'ai plus le réflexe. Bon, on va aller chez Pierre. C'était quoi ça? 10% de chance de faire des coups critiques supplémentaires. Alors très cher Pierre, on a dit de l'huile. Je vais en racheter 5 au cas où. J'avais rien d'autre à t'acheter. Tout ce qui était récolte, enfin récolte, culture, on avait racheté, on avait refait un petit, entre guillemets, un petit stock. De toute façon, il faut qu'on continue de faire de l'argent. Du coup, j'irais bien faire vite fait un petit détour au désert pour voir combien j'aurai d'escaliers. Après le truc c'est que je peux vraiment normalement faire ça dimanche prochain, hein. C'est combien de temps? On a 6 jours. Je pense que ça se termine dimanche prochain. En théorie c'est comme ça que ça se passe. Merde. Donc on verra. Alors beignet de crabe, je pense qu'on en avait là-dedans. Bim. Ce qu'on peut faire également... Ah attendez, on va faire les choses dans l'ordre.
Déjà, on va aller au désert vite fait. Non, on ira faire ça dimanche. Je vais aller voir les raccoons. Parce que je me souviens plus où on en était avec eux. Voilà, c'est une catastrophe ici. Et en fonction de si quête on a à faire ou pas, on ira au sur les îles de Gingembre. Ah, ok. Tac tac. Ouais, bah du coup on est bon. Du coup on est bon. Je pense pas que j'avais quelque chose à ramener du coup sur les îles de Gingembre. Est-ce que j'avais une quête du lundi? Ah, j'ai un ticket. Ok, on n'avait pas pris de quête. Le ticket, je sais plus exactement ce qu'on allait récupérer. Super. Encore une fois, il n'y a rien de bien intéressant pour nous à ce moment-là du jeu et avec notre petit défi de ne vendre uniquement des produits provenant de nos animaux de la ferme. Donc on peut se tirer. Hop, 1000 balles. Après je crois... Ah mais oui, attendez, je crois que notre ami le perroquet nous avait dit qu'il y avait un... Qu'il y avait une noix dorée planquée ici. Enfin planquée. Du coup je sais pas si c'était avec les cultures. Je pense pas, si c'était vraiment avec les cultures j'aurais déjà récupéré. Bon, c'est pas avec les piments. C'est que des... C'est que des graines qui se récoltent comme ça. Bah écoutez, moi je pars du principe qu'il n'y a rien. Ok. Et... Oh. Ok. Je vais prendre la rhubarbe. Il n'y a pas assez de coffres. Hein. J'ai pas du bois ici en plus. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ça. Je vais planter. On s'en fout de ça. Ouais, j'ai vraiment plus de place à l'intérieur de ces coffres. Le bannier, c'est dans combien de temps? 14 jours encore. C'est vrai que j'aurais pu regarder. J'aurais pu regarder en bas. Enfin, en bas dans une serre. Est-ce que ce serait là-dedans que ce soit planqué? Je sais pas du tout laquelle j'aurais raté en vrai de ce côté-ci. Ah mais j'ai des trucs à planter là. Parce qu'il y a un endroit où j'ai de la place encore. Ah oui, bah oui. Je rappelle, voilà ce que j'allais dire, qu'il nous faut encore 4 gingembre. Alors est-ce que c'est en... Non, en récupérant ça. Non, on récupère pas de noix dorées, on récupère des trucs comme ça au sol. Ok. Je pense pas. Hein. De toute façon, ici j'ai tout récupéré. Ah bah j'ai récupéré du gingembre. Voilà, c'est bon, j'ai les 100. Allez, ça dégage maintenant. Bah du coup je vois pas où est-ce qu'elle est la noix dorée qui me manquerait en fait de ce côté-ci. Je crois que la dernière fois on avait déjà essayé de réfléchir. Y'a pas une là? Si, mais on l'avait déjà. Et bah je ne sais pas laquelle il me manque ici. Bon alors attendez, du coup, je vais expédier, j'ai plus de place pour poser 3 gingembres. J'ai dégagé des trucs. Voilà, comme ça j'en expédie seulement ce dont j'ai besoin. Du coup ça on dégage, j'ai récupéré du tarot, je vais les planter.
Du coup, ça en est bon, ça en est bon. Ça, on pourra le faire. Demain, il pleut, donc il faudra rester ici. Je vais aller voir notre ami le perroquet, ce qu'il nous dit. Mais je crois qu'il m'avait parlé d'une noix dorée planquée du côté ouest. Mais je vois pas où elle est. Parce qu'après là, moi, je vois encore le défi avec, enfin le défi, la petite quête avec les bananes, enfin avec la banane. Ah, enfermé dans les gadgets. La montagne de feu. C'est quoi les gadgets? Les gadgets de la montagne de feu. C'est pas un monstre ça, hein? J'en sais rien, je dis ça, mais. Allez voir. Ah, bonjour l'ami. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plairait là, que j'ai dans mon noix de coco? Oh, il a adoré la fougère de ferme. Attends, j'ai fait ça au pif, j'en savais rien. Bon, du coup, dans la montagne de feu, c'est le volcan. Mais c'est quoi un, c'est quoi ce qu'ils appellent le gadget? C'est quel monstre ça? Parce que c'est forcément un gadget. Ah, c'est peut-être les bestioles là, non? Au-dessus. Ça. C'est pas ça un gadget? Oh, une note. Attendez, mais les notes, on avait pas tout vu, on avait pas tout vu. Ah putain, on a vu la dernière. Ok. Bon, pas très bien, au moins ça, c'est une chose, c'est une bonne chose de faite. Bon, du coup, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils appellent gadget. Bon, de toute façon, j'aurais pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. D'avancer un petit peu, voir si on peut, je sais pas, récupérer ça dans un monstre, récupérer une dent de dragon. Bah du coup je trouve qu'on est plutôt pas trop mal hein, pour la perfection. Après je sais qu'il nous faudra de l'argent, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant avec la dernière mise à jour, on va pouvoir entre guillemets gruger. J'entends par là, on va pouvoir payer les derniers pourcentages pour par exemple l'horloge dorée et les obélisques. En gros, ça revient moins cher de payer un pourcentage de la perfection plutôt que d'acheter l'horloge dorée et les obélisques. Après, on achètera peut-être l'obélisque quand même de. Ou alors on paye. Merde. Ou alors on payera juste le pourcentage qui nous manque pour l'horloge dorée. En vrai, on achète les obélisques nous-mêmes et l'horloge dorée. On va pas se faire chier à récupérer 10 millions. Bon, on va voir, dans tous les cas, on n'est pas encore là. On a encore un peu de boulot devant nous, on a quelques recettes à faire. On aura bah, du coup beaucoup de choses à expédier, mais ça, on fera ça. Ah, mais du coup, il faudra que je fasse ça avant d'avoir récupéré le pourcentage de l'horloge dorée, parce que sinon, comment être sûr que le pourcentage sera celui de l'horloge dorée? Je ne sais pas. Du coup demain on va peut-être faire une expédition. Ah par contre pourquoi j'ai plus que 16? Ah j'en ai peut-être. J'avais peut-être posé ça ici. Ah, attendez, bon du coup ça va m'emmerder. Pourquoi je peux pas le poser? Voilà. Dégage ça. Peut-être poser ici les. Non? Ah ouais, ils sont là. Du coup j'ai ça, parce que du coup j'aimerais bien améliorer. Ah oui non mais l'épée on va peut-être la garder comme ça.
En attendant qu'on tue les momies. Après, on peut utiliser les bombes hein, aussi pour les tuer, mais disons que c'est bien pratique avec cette épée. Au pire, ah bah j'ai compétent. C'était quoi compétent? Ah, je crois que ça utilisait pas de. Comment ça s'appelle? D'énergie. D'endurance. Donc en vrai, on s'en fout un peu. Hop. Voilà. Ça on est bon, ça on est bon, ça on est bon. Du coup, on peut reposer. Je vais prendre un peu d'anguille épicée en vrai. J'ai 4 dents de dragon, il m'en faudrait encore un petit peu. Là, j'ai encore un manguier et je vais aller le planter parce qu'on s'en fout. Il est où? Il est là. Parce qu'en fait ici j'ai pas besoin de planter quoi que ce soit. Là-dedans on a 5 graines de 40. Vas-y, je vais planter en fait les graines parce que du coup ça va m'emmerder dans les coffres. Ça ok. Ici on n'a rien. Voilà. Est-ce qu'on a encore des graines ici? C'est très bien. Ah, j'ai 4 graines. Ça pour les échanger contre des noix dorées. Hop. Du coup, là, ici, on va juste réorganiser comme ça. Ok. Ici, on a dit. On en prend 30, on les échangera contre des noix dorées. Les appâts, tout ça, je m'en fous. J'essaie de faire le tour un petit peu de ce qu'on a, de ce qu'il nous faut, etc. Bah normalement là on est bien. Ok, on va aller se coucher. Demain on va partir un petit peu en expédition sur l'île. Ah bah oui, c'était une quête. Bon, on a récupéré 6000 balles avec le gingembre. 81 000 balles au total. Ce qui est pas mal. Ah attendez, par contre il y a un truc. On n'a pas du tout avancé, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de recettes, je sais pas ce que j'ai, ce que j'ai pas. Ça, c'est chiant. Ça, c'est la partie que j'aime pas pour la perfection. C'est que je me souviens plus à quel moment. En fait, il faut prendre une image où il y a la liste complète de tout ce qui est craft et voir lesquels il vous manque. Parce que là, ça se trouve, j'en sais rien, j'ai un chemin qui me manque, par exemple. Du coup, c'est pas comme les recettes où il y a une marque sombre et du coup, on voit qu'il nous manque quelque chose. Là, on. C'est pas très bien. Bon, ok, très bien. Du coup, café. Ouais, cool. Ah, le panneau solaire. Ça, c'est cool pour avoir des piles. Après, est-ce que j'ai encore besoin d'avoir des piles? Peut-être pour des crafts en vrai. On va juste regarder. Non, y a pas l'air. Je crois vraiment qu'on a plus de. On a plus de noix dorées à récupérer avec nos récoltes. Vraiment, je pense pas. Ok, alors, l'oiseau à voir pour aujourd'hui, où peut-il être? Déjà, il n'est pas là. Peut-être être sur la plage, du coup. Oh la vache. Il n'est pas là. Bah du coup, il est de ce côté-ci. Parce que je crois qu'on l'avait récupéré au nord déjà. Ah non, bah attendez, mais c'est où que j'avais récupéré? Ah non, d'accord, j'avais pas récupéré au nord. Ok, c'était ici que j'avais récupéré, très bien. Je m'en souviens pas.
Après, du coup, est-ce qu'on peut pas faire une déduction du quatrième? Parce que je me souviens plus c'est quoi les quatre gemmes. Est-ce qu'il n'y en a pas une cinquième qui fait qu'on peut pas deviner le... La quatrième une fois qu'on en a trois? Je me souviens plus. On va regarder. Alors, du coup, c'est améthyste. Parce que du coup, on pourrait terminer ça et au moins on serait tranquille. Bon, après, j'ai pas de gemmes sur moi. Donc au pire on regardera ça quand on retournera chez nous. Ah putain, c'est l'anniversaire de Georges, donc dans tous les cas il faut que je retourne chez moi. Je voulais aller faire un tour du côté du volcan, bah finalement je pourrais pas. Alors attendez, je vais regarder un truc. Comment je pourrais retrouver ça? Si je tape île gingembre, quête, pierre, précieuse, ou j'aurais peut-être dû marquer la chambre des noix, je m'en fous moi. Ah, les ailes données par les oiseaux. Ah, comment on peut appeler ça? Parce que du coup là, ça, c'est pas... Ah, oiseau. Chaque jour pluvieux. Aigue marine, topaze, améthyste, émeraude ou rubis. Ouais, c'est bien ça, il y en a bien une cinquième. Aigue marine, topaze, ouais. Donc du coup, je peux pas deviner la dernière. Donc faudra revenir un jour de pluie. Bah tant pis. On fera ça. Du coup, on va retourner chez nous. Pour notre ami Georges, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ah, j'ai pas échangé mes... Ah putain, mais je les ai reposés. Qui est con. Après, est-ce que j'avais encore des... Non, mais j'avais plus rien à récupérer dans les noix dorées. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à récupérer là? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. En recette, ouais, on pourrait acheter ça direct. Bon, allez, comme ça sera fait. Bon, du coup, retour à la maison. Je vais peut-être quand même laisser mes trucs ici. Non. Au moins ça et ça. Retournons à la maison. Trouvons un petit cadeau pour Georges. Est-ce qu'on a encore... Ah, j'ai du poireau en or. Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que... Ah, j'ai pas une pâte en iridium, donc en vrai, poireau. J'allais dire panneau. Poireau en or, ça peut être pas mal pour lui. Qu'est-ce qu'on a là? On s'en fout. Ah, on a de la chance en plus aujourd'hui. Tiens. Voilà, on n'est pas... Putain, mais pas à fond encore. Bon, on va aller voir notre ami. Oui, miaou. Tadadam. Comme ça, on sera à fond avec lui. Ce sera une chose supplémentaire de terminer. Après, on n'est pas sur une journée vraiment très chanceuse, donc ça sert à rien d'aller au désert. Avec Georges. Ok. Bon, pierre, on y est presque. Pas encore les 10 coeurs, mais vraiment on n'est pas loin. Du coup, en fait, je suis en train de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire de nos journées. Mais là, je suis vraiment en train de me dire que, bah, mis à part gagner de l'argent. Parce qu'après, c'est vrai qu'aller dans le... Ah, bon, très bien. Aller dans le volcan pour récupérer les noix dorées, ça peut être... Enfin, il ne doit pas me manquer beaucoup dans le volcan, encore une fois. Et c'est un des trucs que je vois que je pourrais faire régulièrement.
Et après, sinon, je sais pas. Banane encore 8 jours. Celui-là encore 11 jours. Et celui-là 11 jours. Ouais. Donc, encore une bonne grosse semaine à attendre. Ici, qu'est-ce que ça donne? Récupérer. Hein. C'est jamais si on aura besoin. Ok. Je vais aller passer par mon coffre parce que je viens de voir un petit peu que notre inventaire est relativement plein. Ça on va déposer. Après, est-ce que le biface, on peut pas le récupérer? Attendez. Le biface, est-ce qu'on peut pas le récupérer quelque part? Parce qu'à la limite, je craft. Ah, je pourrais. Ah, il est mal placé mon workbench. Si je le place là. Ouais. Je peux faire pas mal. J'ai pas de sirop d'érable? Comment ça, j'ai pas. Ah putain, mais oui, j'ai posé plein de trucs à l'intérieur là. Attendez, on va peut-être se faire ça en fait, changement de programme. Mon sirop d'érable, il est là. Bon, après, il y aura sûrement d'autres trucs dont j'aurai besoin, mais. Merde. Après, pour le craft, il y a pas énormément de. Ça, je pense pas que j'aurais besoin de des trucs comme ça. Après, pour tout ce qui est algues et tout ça, peut-être que oui, en vrai. Ça, je devrais avoir besoin pour quelque chose aussi. Poser ça dans les coffres et on va essayer de crafter un petit peu. Comme ça, on va avancer tout doucement. Bon, du coup, je suis en train de placer plein de merde là-dedans. C'est pas spécialement ça que j'étais parti pour faire de base. Champignon. Bim. Bim. Du coup, ce que je vais faire... Un grand coffre, 120 de bois. Ah, je suis con, attendez. Les choses correctement. Voilà, on va faire un grand coffre. Ce grand coffre, on va le mettre ici. Ah merde, attendez. On va mettre ça là. Hop. Tout notre inventaire. Comme ça, on peut crafter au fur et à mesure. Tout ce qu'on n'a pas fabriqué, on va en fabriquer un. De toute façon là en plus ça ne change rien. Putain, il me faut 252 pierres. Là le temps ne passe pas, donc c'est bien. Là il nous faudra 5 dents de dragon, l'enclume. Ok. Ça on a fait. Déshydrateur on n'a pas fait. Une torche. Et le haut fourneau, on l'a déjà fait. Voilà, vous voyez quand même qu'il y a une très très grosse partie de ce qu'il y a à l'intérieur qu'on peut faire. Ça, bah tout ça on a fait, hein, bien sûr. Ok. Il y en a quelques-uns qu'on avait quand même déjà fait. Ça on a fait, ça on a fait, ça tombe bien, c'est les seuls qui nous manquaient sur de ce côté-ci. Le bac à compost de luxe. Et voilà, du coup on arrive ici. Mini jukebox. Super. Ok. On va faire vraiment dans l'ordre. Ça on a fait, ok. Escalier, on en a fait un. Voilà, c'est bien. Là, ils nous font un poisson. Ça, on a fait. Les bombes, j'en ai déjà crafté. Ok, ok, ok. Ça, on en a fait. Ça, on a fait. Ça, il faut qu'on le fasse. Ça, on en a pas fait, mais on s'en fout. Bon, le totem de trésor, ok. Là, il nous faut de l'huile de truffe et du goudron de pain. Il nous en faut 5 du goudron de pain, ok. Là, il nous faut de la noix de coco. Là, il nous faut du corail. Graines sauvages, ok. Graines de fibres, il nous faut un mélange de graines. Et là, tout ce qui est graines d'hiver, ok. On a encore un peu de place sur nous. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça bien évidemment qu'on a fait. Ok. Du coup, hop,
peux dégager tout ça à l'intérieur. Tous les crafts qu'on a fait. Alors, du coup, il nous faut ça, 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 et il n'y en a pas d'autres? Non. Ça, ça, on a fait. Bim, 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 bim. J'ai pas fait de graines d'hiver non plus? Ah merde, mes graines d'automne j'avais fait, c'est graines d'hiver que j'avais pas fait? Ah mais si, j'en ai fait. Ah non, c'était les graines de fibres après qui me manquaient. Enfin, le théier et graines de fibres. Ok. Donc il nous faut un mélange de graines. Ouais, je m'avais gardé. Ok. Donc, graines de fibres. J'ai fait ? Oui. Tac. Là, il nous manquait alors du corail, noix de coco. Et bon, bah, dents de dragon, j'ai pas. Là, il nous faut un poisson quelconque. Alors, corail, noix de coco. Bon, noix de coco, j'en ai pas ramené. Un poisson quelconque. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Il n'y a pas plus quelconque qu'une carpe, en vrai. Et du corail. Je sais pas c'était combien. Est-ce que c'était 1? Ah merde, c'était quoi que je... Ah putain, c'est 2, évidemment. Évidemment, ce n'était pas un. Hop. Voilà. Donc ici, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. On peut pas avoir vraiment l'avancée pareil. Ok, alors là, on s'était arrêté. Là il nous faut du tissu, ok, le kit de cuisson, vas-y. Les appâts. Appâts sauvages. Vas-y, ça on a fait, ça on n'a pas fait. Ça il nous faut du tissu. Ça on a fait, ça on s'en fout. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Ok, ça on a fait, ça on a fait. Ah oui, tous les champignons là, ça... Ah, ça va peut-être être chiant ça. Mori, chanterelle. De l'ail, de l'huile. Donc j'ai bien fait de racheter de l'huile hein, du coup. Alors de l'ail, de l'huile. De l'ail, de l'huile. De l'ail, de l'huile. Et champignons. Alors attendez, est-ce que j'ai champignons ici? Non. Si. Parfait, j'en ai. De l'ail, j'en ai plus que 2. Un d'huile. Bah du coup... Ah putain merde, du coup il me refaut de l'ail. Oh c'est chiant. Là j'ai encore une chanterelle, je vais la prendre avec moi. Ok, là normalement on est bien. Et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, j'ai pas d'ail non plus. Ouais, donc finalement, finalement là il faudrait qu'on le replante. Il faudrait qu'on replante de l'ail. Parce que là j'en ai 2 mais ça suffit pas. Ok. Ah putain, je crois que mes machines... C'était comment pour crafter des machines à graines? Oh, je peux en faire. En faire combien? 48. Attendez, j'ai combien d'ail? 4. Je vais redéplacer. Tac tac. Graines d'été. Bah du coup ça j'en ai plus besoin. Hop, bon les mélanges de graines, tant pis. Du coup on va planter notre ail à l'intérieur de la serre. De nouveau. Hop. Non. Ne fais pas ça. Je vois que j'avais encore des trucs avec de l'engrais de croissance là. Même ici en vrai. Après si je récupère ça, je crois qu'il y en a de l'engrais en dessous. Ouais. Merde.
Merde, je voulais pas refaire des graines de ça. Attends, pourquoi il y en a une qui a une... C'est bizarre qu'il y en ait qui a une forme différente. Ah, il nous faut du tissu pour quelques crafts. On va aller voir. De toute façon, du coup, on va s'occuper de nos animaux. Là, on est, j'allais dire, on est bien. On a notre inventaire plutôt rangé. Pas vraiment, finalement. Après, je crois qu'il y avait besoin d'huile de truffe aussi. Putain, regardez, regardez ces truffes. Non, attendez. Regardez ce nombre de truffes. Imaginez si on avait que des cochons. Les pauvres, ils pourraient plus. Enfin, nous non plus, on pourrait pas avancer sans les récupérer. On en a besoin. Donc, on ne vendra pas. On gardera avec nous. Ok. Bon, ici, c'était nos amis. Les poulets du vide. Bon, une fois, j'ai complètement oublié comment. Comment ça s'appelle. Peut-être ça, hein, poulet du vide. Je me souviens plus. J'ai vu qu'il nous en avait récupéré dehors. On verra ça plus tard. Oh non, je voulais dire bonjour. Putain, mais il y en a plein ici. Oh là, quel enfer. Quel enfer ces bestioles, hein, moi je vous le dis. Bon, vous, vous avez jamais à manger, vous avez juste à sortir. Demain il pleut, par contre, du coup ça va être chiant parce que demain, vu qu'il pleut, vous auriez pas à manger. Ça risque de pas vous plaire. Je vais aller vous mettre à manger juste pour demain. Et je vais arrêter, il faut pas que je referme cette porte. Voilà. Demain, comme ça, vous aurez à manger. C'est... Pourquoi y a un poulet du vide ici? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi j'avais mis un... Je sais pas du tout pourquoi j'avais mis un poulet du vide ici. Bon, bref. Du coup, ça c'est bon. Bon, les vaches. Ok. Je crois qu'on avait rien d'autre à faire aujourd'hui. Hein. Je suis en train de réfléchir. Bah, ce qu'on voulait faire de base, c'est aller au volcan, mais malheureusement, on n'a pas eu la possibilité. On avait d'autres choses à faire. On avait surtout l'anniversaire de Georges à ne pas oublier. Faire un beau cadeau. Voilà. Tout ce qui est mayonnaise et tout ça, je crois pas que j'en avais besoin pour le craft. Allez, laissez-moi passer s'il vous plaît. Vous êtes trop loup. Mais je maintiens que mes lapins, ils me donnent pas. Ils me donnent pas autant de pattes de lapin que. Que je pourrais l'espérer là. Je sais que c'est relativement rare hein, pour en récupérer. Ah. Ah, c'est l'autruche. Pre-cover. C'est le nom de notre autruche. Ok. Parce que là, les lapins, ouais, ils sont. Ah, j'en ai que 4. Peut-être pour ça en fait. Merde, c'est peut-être pour ça. Je croyais que c'était full. Oh la vache!
prendre ça. Normalement, ça devrait suffire. Ok, bon, c'est bon, ils sont enfin occupés. Ah bah non, on a pas terminé, faut qu'on aille voir l'autruche là. Comment elle va? Après, elle va peut-être dormir, du coup, j'aurais pas dit bonjour aujourd'hui. Putain, il faut lui donner à manger. Ah putain, du coup, vu qu'elle est toute seule, faut que je lui donne à manger un par un. Par un par un. Faudrait qu'on aille farmer de la pierre. Allez! Bon, voilà, hein. Oui, bah, essaie de dormir. Sympa. Ok, ah, faut que je récupère de ça là. Poudron de pain. Mais pourquoi j'utilisais ça en fait? Bon alors, reprenons. Est-ce qu'il y avait des trucs qu'on avait oubliés en fait sur cette page? Bah, il y a ça qu'on peut pas faire. Je crois pas qu'il y avait autre chose. Ah si, il y a le grand coffre avec les pierres. Ok. Là, qu'est-ce qu'on avait? Là, cette page-là, on est. Bah, je crois que cette page-là, on est bon. Ouais, cette page-là, on est bon. Ici. Alors, est-ce que c'était ici le truc avec. C'était pas ici qu'il y avait le truc avec la laine? Ah bah non, je croyais. Bon, ici il nous manque les totems. C'est un peu chiant. Bon alors du coup, il est où le truc avec la laine? Ah bah c'était ça. Ah mais non, c'était du tissu, pas de la laine. Ok, ça on a fait. Vas-y, 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 vas-y. Ça on avait fait, putain on avait oublié en fait de faire les trucs au-dessus. Là il y avait encore du tissu, ok. Là, il me faut les 5 appâts. Ouais. Ça, il me faut 10 ail, du coup, que je n'ai pas. Là, il nous faut champignons rouges et champignons violets. Ok, champignons rouges et champignons violets. Je sais pas combien, donc prendre ça. Ok. Ensuite, bon là. C'est la partie un peu chiante. Putain, mais attendez, je vais vendre ce que j'ai là. J'ai trop de trucs sur moi. L'huile, non. Ça, oui. Ça, oui. Non. J'avais besoin de ça pour quelque chose. C'était pour une recette ici, je m'en souviens plus. Attendez, je vais pas faire de conneries. Si on les vend plus tard, c'est pas gênant. Ah putain, mais j'avais récupéré tout ce qu'il y avait dans la serre, c'est pour ça en fait que j'ai pas de place sur moi. Ces fleurs à la con là. Tomates. Chou chinois. Je sais plus quelle saison ça, le chou chinois. On s'ira là. Ça va sûrement pas ici. Ça, ok. Du coup, là-dedans, on peut déposer. Tac, tac. Bon, bah, ça, du coup, c'est ce qu'on a craft. J'ai les mayonnaises que je peux revendre. Et nous disions. Nous en étions arrêtés. Ah, ici. Brasero sculpté. Petit brasero. Le feu de camp. Ça c'est sûr que j'ai pas fait ça. Ah oui, il me fallait les graines de tout ça. Ah bah non, on l'avait fait, c'est bon. Là il nous faut le marbre. Comment ça j'ai pas de marbre? Ah putain, oui, on l'a placé. Ouais, ok, je sais. Merde. On l'a placé du côté du de chez Clint. Lampadaire, lampadaire. Là il nous faut une rose féerie. Ça en a fait, ça en a fait. Gadget de nain. Ok. Ok.
pierre. J'ai plus de pierre. Et j'ai plus de pierre. Ok, bah franchement, on est bien. Putain, le coffre il va être plein. Vous le croyez ça? J'ai réussi à remplir le coffre. Bon. Du coup, bien évidemment, il y a des trucs que je peux dégager d'ici, hein. Parce que ça peut se stacker avec ce que j'avais déjà fait. Le théier. Bah en vrai, il faut que je le plante, le théier. Faut que je le plante. Pareil, tout ce qui est anneaux et tout ça, ils sont où? Là. On peut les ranger. Arroseur automatique, une torche. Ok. Ça. Et du coup, nous disions. Ah, attendez. Miaou. On va mettre les bagues là-dedans. Tac. Ensuite, on va ranger les totems. Alors, je suis désolé, hein, mais là, on n'est plus du tout sur ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire partir à l'aventure et tout ça. Merde. Là, il faut qu'on passe par ça pour atteindre la perfection. Donc, je peux pas ouvrir le. Je peux pas ouvrir le coffre du milieu. Ça, c'est chiant. C'est là qu'il y a tous mes totems. Bon, notre totem de trésor. Faudrait qu'on voit où est-ce qu'on peut utiliser pour avoir le biface. On va regarder. Je crois qu'on avait regardé, mais je m'en souviens plus. Biface préhistorique. Stardew. Ah, biface préhistorique. Arrêt de bus 4%. Sinon, forêt sève cendreuse ou montagne. Alors, le souci, c'est que. Arrêt de bus 4%. Où est-ce qu'on peut utiliser le totem du coup? Il n'y a pas vraiment de place. Ah non, mais on va gaspiller. Donc, non, on ira à la montagne. D'ailleurs, on pourrait presque même y aller là. Hop. Ensuite. Notre théier. Peut le planter là? Il va être très bien là. On va utiliser notre totem. Ah mais non, mais attendez, j'ai pas ma houe. On va aller voir hein, si on peut avoir le biface comme ça on en termine avec le musée aujourd'hui, enfin aujourd'hui demain. Et en vrai, ce sera très bien. Faut juste qu'on essaye de trouver le bon endroit pour utiliser le totem, qu'on perde pas d'emplacement. Est-ce qu'on peut l'utiliser là? Est-ce que c'est intéressant de l'utiliser là? Ah non, on a perdu deux endroits. Bon, c'est pas grave. J'ai pas vu le biface, hein. Là non plus. Et là non plus. Bon. Ah si, je l'ai! Il est là. Bah voilà, parfait. Parfaitement parfait. Alors du coup, faudra qu'on regarde quand même quand on ira chez Clint. Faudra qu'on récupère gadget du nain, du marbre. Je sais plus s'il y en avait autre chose, mais déjà ça. On en a besoin. Tac, tac. Bon, il nous faudra de la pierre, bien évidemment. L'huile, bah du coup, je pense pas que j'en ai de nouveau besoin. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de. Ah. Ah, il me faut de la mousse. Parce que du coup, j'ai la flemme de reposer le truc devant, alors que c'est ce que je vais faire d'ici quelques instants. Voilà. Du coup, tac. Et puis du coup, bah je pense qu'après on sera bien. Après radio lingot radioactif. On voulait attendre d'en avoir 25.
pour pouvoir justement faire utiliser notre maxi four. Donc très bien. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. Gadget de nain. Ah là, il nous faut. Ah oui, la rose féerie. Voilà, justement. On en a récupéré. Hop, voilà. Donc là, c'est le marbre, ça on a fait. Toute la ligne du haut, on a fait. Ici, bah en fait, après le reste, il manque de la pierre. Donc écoutez, je pense qu'on a très très bien avancé à ce niveau-là. Je vais même pas reposer à l'intérieur de ça. Tac, tac. Je vais récupérer par contre mon inventaire. Pourquoi j'ai un parchemin du nain. Hop, ça dégage. D'ailleurs, ça dégage aussi. Et voilà. Ça que je voulais poser. Bim. Et le reste, on est bien. Bah écoutez, journée craft aujourd'hui. Mais je pense que c'est plutôt bien parce qu'on a vraiment bien avancé à ce niveau-là. Et ça nous a fait gagner un petit peu de pourcentage vers la perfection. Bien évidemment. Allez, 67 000 balles. Très très bien. Une nouvelle fois. Il faut de l'argent. Alors, il pleut aujourd'hui. Léa. Ah, tu ne donnes pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te plaît et qui te plaît vraiment beaucoup? Tout te plaît. J'ai pas. Qu'est-ce que je peux te donner moi de là-dedans? Ah, du miel, t'aimes bien le miel. Oh, du miel de tournesol. Alors là, best cadeau que je puisse faire à Léa. Et là, si elle m'avait dit je déteste ça, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais été triste. Du coup, ça, ici. On va dire bonjour à tout le monde. On va liquider les œufs des poules parce que là, sinon. C'est quand même bien pratique quand ils sont tous à l'intérieur. Ça aurait été relativement vite à tout dégager en objet. Hein. Tout ce qui est les œufs, les poules, ça a vite dégagé. Il nous reste deux places. Nickel. Faut penser quand même donner des pattes de lapin, hein, les petits lapins là. C'est d'une tristesse sans nom. Tous les deux jours, c'est une tristesse sans nom. Il y en a une qui est pas en même temps que les autres. Quand même vous dire bonjour, parce qu'on est poli. Les vaches. Oh, c'est timide les vaches là. 8, 2 et 2. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade peut-être. Allez, messieurs les cochons. Groink, groink. Du coup, voilà, journée de pluie. C'est comme l'hiver. Du coup, ils sortent pas. Je vais prendre les 32. Voilà. Du vide.
Ah, putain, mais je suis con. Ah, mais non, il y aura peut-être des trucs qui seront terminés là d'ici ce qu'on retourne de l'autre côté. Tout ce qui est mayonnaise de canard et tout ça, ça va relativement vite. Et vous? Parfait, tout pile. Alors j'ai pas bu mon café. Ça devient une habitude, boire le café dès le matin. Ah, pardon, j'avais pas dit bonjour. Les poulets bleus, est-ce que ça a grandi? Est-ce que ça commence à donner des œufs? Mais je crois que ça donne des œufs normaux, non? Ah oui, ça donne des œufs normaux. Donc en vrai... Oh, la flemme de s'occuper d'eux, là. Vraiment la flemme. Vous avez pas dit bonjour? Ah, mais excuse. Mais excuse. Bon, les mayonnaises, c'est bon, c'est terminé? Oui. Ok, il nous en reste un, bien évidemment. Non, s'il ne le mange pas. Ça doit pas être terrible en plus à manger ça. Présente un peu. C'est un peu le même visuel que les autres 100 ans. Pas spécialement envie de bouffer ça. Ah mais attendez, il me faut un récolteur automatique pour ici. Pourquoi j'ai pas mis de récolteur automatique à l'intérieur? Allez en mettre un. Ah! Le problème c'est où est-ce qu'ils sont? Ils sont rangés où? Évidemment. Il a. Du coup j'aurais même pu en mettre un dans... Ah mais non mais attendez, je vais faire ça aussi. Là j'en ai un deuxième. On va le placer aussi dans l'enclos, dans l'endroit où il y a les poulets bleus, comme ça. Si j'ai la flemme d'y aller, on ne s'embête pas. D'ailleurs on va passer vers le bas. Faut qu'on fasse une petite expédition vite fait chez notre ami Clint pour récupérer 2-3 conneries. Faut qu'on aille au musée du coup donner le biface. Comme ça on en termine une bonne fois pour toutes avec le musée. Je crois qu'on va avoir une un fruit étoilé. Donc, du coup, tout ça, je peux revendre. Là, ça va faire de la moulaga aujourd'hui. Là. Terrible. Putain, j'ai cru que j'avais vendu un truc qu'il fallait pas. Tout va bien. Souffle. Souffle un peu. Nous disions ville. On va récupérer. Alors nous avions dit un gadget du nain et un marbre. Et je crois que le reste, j'en ai pas besoin pour du craft. C'est de regarder si j'ai un objet qui me parle. Mais non. Non, non et non. Ok. On va donner notre biface. Terminer le mu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le truc avec Elliot là. Et du coup, je sais pas combien de livres il me manque du coup ici. Alors, faire un don. Il va... Une collection complète. Et on a bien un fruit étoilé. Le reste, de toute façon, on n'a pas besoin de récupérer. Et voici notre énergie qui continue d'augmenter. Je vous rappelle animaux. Ah ben. Du coup, on va retourner en vitesse chez nous. Merde, on va faire le craft qui nous manque.
Et puis on va filer sur les îles gingembre. Encore. Alors c'était où? Il y avait ça. C'est ça. Ah merde, mais du coup j'ai pas de pierre. On va poser le marbre ici. Et ça, vas-y, on va poser là. Ferme cave prête, oui. Non, je crois que j'ai rien à ramener. Par contre, dans le sens. Ah, attendez, dans le sens inverse, il faudrait que je ramène de l'autre coco pour ici. Ah putain, mais. Vous savez quoi, je vais le poser là-dedans. Téléportation au désert, non. Ok. Foutons le camp sur les îles de gingembre. Je rappelle du coup qu'il nous faudra une dernière gemme un jour où il pleut sur les îles de gingembre. Hop. Faudra qu'on fasse le totem aussi. Puis après, entre guillemets, c'est que 1000 qu'on paye, mais au bout d'un moment. Enfin, je vais aller directement au volcan, il est 14h. Sinon, j'ai rien d'autre à récupérer. J'ai rien d'autre à faire sur ma ferme. Le gingembre. Ah, si, je peux continuer à en récupérer pour faire les trucs. Les boissons au gingembre. Bon, par contre, je viens ici, mais j'ai pas. J'ai pas pris de bouffe. C'est pas dit que ça va bien se passer. Et en plus, j'ai toute ma merde. Vous savez quoi? Je vais redescendre tout ça. Bon, allez, tant pis, si on a besoin de. Si c'est notre déjeuner chanceux. Les dents de dragon aussi. Voilà. Bah, du coup, je sais pas c'est quelle bestiole qu'il faut que je bute moi aussi. Ah, par contre, j'ai pas. Oh, ouais. Bon, ok. On va farmer 2-3 trucs, mais du coup, j'ai pas. Du coup, je suis pas retourné sur mon île, sur ma ferme pour aller récupérer les. Son prismatique et autres pour faire les améliorations, donc tant pis, on va farmer ce qu'on peut. Merde. Ah, je n'ai plus de boost. 15h, je suis pas certain qu'on va réussir à aller jusqu'en haut. L'enfoiré, il est sorti de l'écran. Enfin, il est rentré dans l'écran plutôt. Il est obligé de se barrer tout en haut, lui. Ça prend un fragment d'os. La sortie par là. Hop. Je sais même plus si on avait acheté le raccourci du nain. Viens par ici. On est obligé d'aller te mettre loin. On a aussi les défis de la guilde des aventuriers, faut pas que j'oublie. Je crois qu'on a quand même.
avancer, il doit nous rester les... Les comment? Les dragons. Enfin les serpents. Je crois que c'est ça qu'il faut que je bute, non? Apparemment pas. Je crois que c'était ça qui m'aurait donné une noix dorée. Toi là-bas, on va venir te voir. Non mais viens! Oh qu'il est con. J'ai plus énormément de... énormément d'eau dans mon arrosoir, moi. On va se retrouver bloqué, c'est tout ce qu'on va réussir. Merde. Ah, ça va, on est niveau 5. Putain, je me suis dit, ça se trouve, on va être bloqué à un bloc. 5. Bah voilà, j'en ai 5. Bah parfait, on va prendre le raccourci. Enfin, on va faire le raccourci. Après il est 20h20, bon. Ah c'est peut-être ça. Ah putain c'est peut-être ces bestioles là dont j'ai besoin de buter. Que j'ai besoin de buter. Ok. Ah je suis peut-être en train de me dire que c'est ça en fait les bestioles que j'ai besoin de tuer. Bon on va essayer de tracer pour aller au dernier niveau. Coffre là-bas. Bon, ça va plus vite si on fait ça. Allez, on trace. Putain, il est 21h. Encore une fois, je suis venu ici sans totem. Ça a commencé à être compliqué. Merde. Se faire agresser de tous les côtés. Tout ça pour ne pas récupérer en plus de l'éclat de braise. Dis-moi par contre ce que c'est bien en haut qu'il faut que je passe. Allez. Bon, c'est peut-être pas ça alors que j'ai besoin de tuer. Elle est où la porte? Mais quelle est la foutue porte? Quelle est la sortie de cet étage? Au secours! Ok, encore une dent dragon. On est plutôt pas mal aujourd'hui. En termes de dent dragon. Tu veux pas crever à un moment donné? Merci. J'ai plus mon boost de vitesse. Putain, 22-30, on est que étage 7. Maintenant étage 8. Il va falloir qu'on trace. Hein. Bon, je sais pas si c'est ça en fait qu'il faut tuer. Où est la sortie? Laissez-moi passer, par pitié. Oh la vache! Ok, taillot! Ok! En espérant que ce soit un étage relativement. Enfin, un étage. Oui, un étage relativement facile. Je sais pas du coup c'est quoi la bestiole qui nous manque à tuer pour récupérer la noix dorée. Si nous parlait le perroquet, mais bon.
écoutez, on trace à la maison. Et puis voilà. On n'aura pas récupéré de noix dorées. Ici, je le rappelle. Du coup, alors il y aurait une noix dorée cachée à l'ouest, une noix dorée dans le volcan. Il y a les noix dorées récupérées avec la banane. Et les noix dorées récupérées avec les gemmes des oiseaux. Donc bon, en soi, il y a quand même encore pas mal de petits trucs à faire. Hop. Continue de planter ça. J'ai des gemmes de partout. Alors après, est-ce qu'on peut magouiller en vrai? Est-ce qu'on peut magouiller? Bonjour Nat. Comment vas-tu? Attendez, je vais retourner sur ma page là où j'étais tout à l'heure. Correspondant à sa couleur. Aigue marine, topaze, améthyste, émeraude ou rubis. Je crois que j'ai tout. Donc à la limite, on pourra peut-être essayer demain. On verra. On verra bien. Bon, bah dodo. Mal au dos, mais ça va. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Mal au dos. Le mal au dos, c'est un des mal les plus communs de nos jours. Je suis un peu comme toi. Moi, ça va. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Semaine relativement costaud au boulot. Mais du coup, ça va, j'ai bien dormi, donc j'ai pu un peu récupérer. Du coup, nous, on va faire une petite pause pour la rediff YouTube. Et on va bien évidemment continuer sur Twitch dans la foulée. Du coup, merci à ceux qui ont regardé la rediff YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de journée. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!